Rémi, du Burkina Faso. Je suis le porte-parole du sous-groupe citoyenneté. Et aussi, nous avons parlé de la problématique réinventer l'engagement civique des jeunes par l'utilisation adéquate des TIC. Alors, ici, nous avons trouvé des solutions multi-plateformes. Et ce sont en quatre grandes parties. Et déjà, nous décidons de résoudre en fait le problème en passant par des vidéos. Alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire de diffuser des contenus vidéo, formation, multilingue. Donc, en fait, regarder des petites vidéos dans les différentes langues pour en fait parler de l'engagement civique des jeunes, mais aussi la législation adéquate des TIC. Alors, ensuite, diffuser, bien évidemment, ces petites vidéos-là vont être perçues par ces jeunes-là. Cela sera en même temps un message de sensibilisation pour eux. Alors, les SMS, de quoi s'agit-il? Il s'agit de diffuser des SMS évocateurs d'engagement civique. Voilà. Donc, nous allons certainement utiliser des SMS. Nous savons que les jeunes aujourd'hui communiquent beaucoup plus à partir des SMS. Donc, en initiant ces jeux, ils apprendront en même temps tout en s'amusant. Voilà. Donc, aussi, nous avons un aspect intéressant. Les parents, nous voulons impliquer les parents en fait, dans cette lutte que nous avons entendue. Parce que nous entendrons trouver un partenariat avec les compagnies de téléphonie mobile, par exemple, qui vont décider de nous aider pour diffuser des messages de sensibilisation ou d'interpellation aux parents par rapport à l'engagement des jeunes et aussi à l'utilisation efficiente des TIC. Alors, pour les, nous avons aussi parlé de plateforme web, créer une plateforme e-learning sur l'éducation civique et la citoyenneté. C'est sur cette plateforme-là les jeunes viendront pour apprendre à se former par des petites vidéos, des petits cours que nous allons diffuser sur ces plateformes-là. Aussi, donner des informations sur l'employabilité. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de, en fait, aider ces jeunes-là, ceux qui vont venir se former sur la plateforme, on pourra les envoyer des petites associations citoyens, bien sûr, qui vont les aider parce qu'ils seront impliqués, en fait, dans la lutte, dans bien sûr, la sensibilisation des camarades, quand ils seront formés, cela peut les aider aussi à ouvrir d'autres opportunités d'employabilité. Alors, bien évidemment, nous savons que la radio est un moyen ancien, depuis longtemps, nous l'utilisons, mais jusqu'à présent, dans les lieux ruraux, nous savons que la radio est beaucoup plus utilisée. Dans les zones urbaines, les jeunes travaillent beaucoup plus avec l'internet, mais ceux des jeunes même n'ont pas accès. Donc, la radio est un moyen efficace, bien sûr, pour les interactions. Impliquer les radios dans les sessions de sensibilisation. Aussi, organiser des causeries éducatives via les radios. Donc, nous allons parler tout de suite, bien sûr, le next step, c'est créer des comptes sur d'autres réseaux sociaux, créer une plateforme e-learning avec des MOOCs, bien sûr, mettre en place un service SMS conseil astuce, maintenir active la page Facebook et apprendre le tech camp. Ensuite, nous allons créer une nouvelle campagne virale dans l'ensemble des pays d'Afrique. Ok. Tout de suite, nous allons donner la parole à, bien sûr, mon frère qui va parler. Nous avons créé déjà un compte Facebook et il va venir nous faire la présentation de ce compte-là. Merci. Allez, bonsoir à tous. La régie. C'est ça? Ça, c'est le groupe. Ça, c'est quel monde rural, ça? Ça, c'est un monde rural bizarre. Bizarre, oui. C'est un monde rural. En attendant qu'on retrouve notre page Facebook que nous avons créée, nous n'avons pas attendu longtemps, nous avons créé en même temps la page Facebook où nous diffusons en fait, des messages sur l'engagement civique et l'utilisation adéquate des TIC. Voilà, ça vient. Alors, bonsoir à tous. En plus de tout ce que notre ami Jérémy vient d'évoquer, nous n'avons pas. Nous n'avons pas attendu la fin de ce tech camp-là. Nous avons déjà créé notre page Facebook
promouvoir tout ce qui est engagement de la jeunesse et l'éducation civique. On applaudit. Voilà. Vous verrez que nous avons déjà fait une campagne. Alors, on ne gâche pas. Merci.